15 000 selon les organisateurs, 10 000 selon la presse. Ils étaient en tout cas des milliers à battre le pavé dans la capitale aujourd'hui, étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, mais également médecins internes et résidents, un mouvement de protestation de taille. Nous dénonçons vigoureusement le projet de loi relatif au service médical obligatoire, sans compter que nous avons un dossier de revendication qui date de 2007 et pour lequel nous n'avons reçu aucune réponse du ministère de la Santé. Nous sommes venus exprimer notre refus du projet de service médical obligatoire et défendre nos revendications. À travers cette manifestation, tous les étudiants en médecine ont montré qu'ils étaient unis et qu'ils le resteraient tant que nos voix ne seront pas entendues. Avant cette marche, les protestataires ont observé un sit-in devant le siège du ministère de la Santé. Le département avait publié lundi dernier un communiqué en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons rappelé que nous étions ouverts au dialogue. Lors de nos discussions avec les étudiants en médecine, nous avons débattu de 5 grands dossiers. En ce qui concerne le service médical obligatoire, nous avons rappelé que nous étions ouverts à un dialogue constructif, responsable et productif sur les idées. Et ce ne sont que des idées qui sont incluses dans le projet de loi. Nous sommes prêts à prendre en compte toutes les propositions ou toutes solutions alternatives proposées jusqu'à arriver à un consensus sur cette question. Ce mouvement de protestation intervient également pour réclamer l'augmentation des indemnités de fonction, l'amélioration des conditions de formation, l'augmentation des postes d'internat et de résidanat, ainsi que la hausse des salaires des médecins internes et résidents.